on est à Poitiers, on reste en Détroit, et avec deux mémoires du hockey français que je suis très content d'avoir à mes côtés. Franck Fazio, salut à toi Franck. Bonjour. Voilà, donc tu es l'entraîneur du Stade Poitevin. Oui, depuis cette année, ouais, j'ai repris la Détroit du Stade Poitevin. Très bien, impeccable. Et puis Jean-Vital Stinco, donc John, on te connaît plus sous le prénom de John. Voilà, que je suis très content d'avoir aussi. Salut John. Bonjour Sylvain. Content de vous accueillir à Poitiers. C'est un vrai plaisir. Alors toi, Poitiers, c'est ta maison depuis un moment maintenant. Alors comment, dans quelles circonstances tu es arrivé à Poitiers? Disons que c'était plus ou moins en fin de carrière, disons-nous, avec les Français volants. On avait eu une petite déconvenue au volant où on cherchait à acquérir le titre depuis 2-3 ans. Et puis, on n'est pas arrivé à notre but. Hein, donc, Franck faisait partie de l'équipe aussi. Donc, on a été plusieurs, finalement, à plus ou moins partir ou arrêter de jouer à ce moment-là. Et moi, je suis reparti au Canada. Et j'ai eu une opportunité d'un ancien joueur de Poitiers d'ailleurs qui m'a rappelé et de Tours, Pat Aldrich, qui était un coéquipier et qui m'a rappelé parce qu'il voulait démarrer plus ou moins une société d'ailleurs avec Dorian Ouzou, donc le père de Dorian, Olivier. Donc j'avais une opportunité de prendre une exclusivité pour une marque de hockey et donc voulait démarrer une société de distribution d'articles de hockey. Et donc j'ai eu un coup de fil de Pat qui me demandait de pour savoir si j'étais intéressé éventuellement à revenir par sur Poitiers. Donc voilà, ça s'est fait en l'espace de 2 mois et puis je suis revenu sur Poitiers pour démarrer cette société. Donc il n'était pas question de reprendre le hockey à ce moment-là. Et puis bah, ça, au fil du temps, il y a eu des contacts qui sont faits avec l'équipe et puis voilà. Donc j'ai rechaussé les patins. Alors t'as joué jusqu'à assez tard, hein, je crois, ici. Hein. Jusqu'à 50 ans. Voilà, c'est ouais. Plutôt costaud, hein. C'est rare. Tu prenais toujours autant de plaisir encore ouais, jusqu'à la fin. Toujours. C'est toujours un plaisir de monter sur la glace. Donc c'est vrai que même maintenant, j'entraîne et puis de jouer de temps en temps avec les joueurs du club. C'est toujours un gros plaisir. Alors, il y a pas mal de choses à faire ici à Poitiers pour développer le hockey. Sur toutes ces années, tu as vu quand même les choses avancer, bouger un petit peu. On est dans le contexte, on va dire, d'un petit club qui se développe bien, sereinement. Ouais. Il y a toujours les difficultés liées aux structures. On est quand même des clubs. Je crois que le hockey sur glace a toujours ce petit souci budgétaire. C'est compliqué. Les structures sont vieillissantes aussi. En France, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Donc nous, on a eu la chance quand même. Je crois que ça date de 3 ans maintenant, 4 ans. Où on a pu avoir une nouvelle structure, une nouvelle patinoire, ce qui est toujours bon pour un club. Ça a relancé un peu la machine. Ça a attiré des nouveaux joueurs, des enfants, et puis bien sûr aussi au niveau des bénévoles, hein, qui est quand même une structure super importante au niveau d'un club. Et je crois que c'est un peu où ça pêche en ce moment dans le hockey français, c'est que, comme peut-être dans beaucoup de sports où les bénévoles manquent cruellement. C'est vrai que pour structurer un club, c'est pas évident. On demande beaucoup. On connaît aussi le problème des transports, des distances entre les patinoires, qui est un autre souci pour le développement du hockey français. C'est vrai que le club se structure doucement, tranquillement. C'est vrai que c'est pas évident, mais c'est vrai que le club grimpe un peu. Après on a toujours le souci des gros clubs qui viennent quand même pêcher chez nous et chercher des joueurs, et donc c'est pas évident qu'on arrive à des niveaux comme les U15 et les U17 où on perd beaucoup de joueurs. Pour différentes raisons, hein, c'est aussi conjoncturel. Hein, les jeunes maintenant, ont d'autres activités, donc on perd beaucoup de joueurs à ce niveau-là. Et comme il y a en plus des sports études un peu partout, les gros clubs viennent nous chercher des joueurs, et donc ça pêche, si vous voulez, au niveau de ces divisions-là, quoi. Alors, si on remonte un peu dans le temps, il y a une époque où c'était toi, le joueur qu'on venait chercher à Tours, par exemple, où tu as connu, je pense, de belles années sur le plan sportif. Ça a été des grandes pages du hockey tourangeau. On en reparle beaucoup encore là-bas. C'est sûr que ça a été les grandes pages. Hein. On est arrivé, je crois qu'on est arrivé la même année avec Franck en 79-80.
Donc on a été champion de France cette année-là, donc la première saison. Donc c'est vrai que bon, Tours, c'était phénoménal à cette époque. Le club de plaine a pas tué, mais disons qu'était la cible de beaucoup de clubs. Bon, c'est vrai qu'on arrivait un peu dans ce milieu du hockey qui était plus ou moins réservé aux Alpes. Donc c'était les Chamonix, les Gap, les Saint-Gervais, Megève, enfin, etc. Donc ils étaient habitués à séparer la coupe. C'était pas la coupe Magnus à l'époque, je sais même plus d'ailleurs quelle coupe c'était. C'était la coupe, c'est Jean Ferrand, non? C'était pas le président Jean Ferrand, de la Fédé. Ouais, qui était le président de la Fédé, mais je crois que Tristan l'avait lancé la coupe Magnus, c'est plus tard, après. Je crois que c'était les années où on était au volant. Ouais. Donc c'est vrai qu'on est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, et donc on a révélé le titre aux Alpes, donc c'est vrai qu'on était un peu l'équipe à battre à l'époque, et bon, Tours, un public sublime, un environnement hockey extraordinaire, et bon, je crois qu'on peut dire un grand merci à Monsieur Pasquier, qui était le président à l'époque, qui a vraiment tout donné pour le hockey et qui a fait vivre un grand club à Tours. Ouais, Franck, ces années-là, elles restent assez inoubliables, et puis des déplacements mémorables avec parfois en carcouchette, ouais. Et puis de la pluie, et pas que de la pluie réelle, de la pluie d'objets aussi parfois pour vous accueillir. Oui, mais c'est vrai que c'est Monsieur Pasquier, là-dessus, on peut le reconnaître, c'est que c'est vraiment été le précurseur et qui a lancé un petit peu le hockey professionnel. Je crois qu'on a été les premiers, moi je crois que on était les premiers Français à être payés, ce qui a lui a valu un petit redressement à l'URSSAF, qui nous a pas loupé. Mais ouais, c'était les... Voilà, donc c'est vrai que pour nous, les clubs des Alpes, c'était, ils nous jetaient des pièces de monnaie, quoi. C'était ce qui est très dangereux sur la glace, mais c'est vrai que c'est... C'était on pour peut pas symboliser leur en le côté mercenaire, professionnel. À l'époque, c'est drôle, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de professionnaliser, de professionnel. À l'époque, c'était pas forcément le terme... C'est un peu péjoratif. Oui, alors qu'ils avaient quand même quelques joueurs qui payaient, qui étaient employés par la ville, donc c'est un petit peu, je dirais, le combat de l'URSS soviétique, qui était militaire et qui voulait pas que les professionnels nord-américains viennent jouer. Alors que les Russes militaires, c'était ni plus ni moins, ils s'entraînaient tous les jours, voire deux fois par jour. Bon, quand on veut être dans le mensonge, on peut être dans le mensonge. Hein. Alors, il y a eu aussi les Français volants pour toi, c'est... Ouais, après, moi, je suis parti au volant pendant 2 ans. Ouais, qui était bien, c'est une nouvelle expérience. Paris-Bercy qui se construisait, on s'entraînait dans la grande patinoire, alors que maintenant, ils sont tout le temps en bas. La deuxième année, un peu moins, parce que c'est vrai que le hockey, par rapport au spectacle... Ben, y a pas photo. Quand vous avez un chanteur qui vient, il remplit. Nous, on avait du mal un peu à remplir, mais ça avait bien pris. Dommage, c'est qu'on n'ait pas eu le titre la deuxième année. C'est un peu tombé en désuétude. Et après, moi, je suis parti à Chamonix. Ouais. Alors, très belle expérience à Chamonix. On parle quand même de parfois plus de 10 000 personnes sur des assistances de hockey à l'époque. Je sais pas si... 11 800. Contre Saint-Gervais. Contre Saint-Gervais. Mont-Blanc. Et là-dessus, on peut dire que Tardif a été très malin, parce que lorsqu'il y a eu la finale de la Coupe de France, il a... Et c'est ça que c'est malin de certaines personnes, c'est qu'il a invité énormément de personnes, même moi j'en ai eu, et il a fait 13 000, et dans FR3, ce qui est passé à la télé, record d'audience. Voilà, les gens ne sont pas censés savoir qu'il y avait beaucoup d'invitations, mais c'est comme ça qu'on va promouvoir le hockey, et que c'est très bien. On n'aurait pas fait 13 000, on n'en aurait pas parlé. C'est d'ailleurs comme ça que me faisait Monsieur Lacarrière à l'époque, qui était le président des Français volants. Il y avait beaucoup d'invitations, c'est vrai. Parisien. On avait des sponsors assez importants. Donc Europe 1, Carrera, Nike, etc. Donc bon, il voulait promouvoir le hockey justement dans la capitale, et puis bon, c'était justement en faisant une fête du hockey, quoi. Donc c'est vrai que bon, ça, il y a eu quand même un succès relativement important, hein, quand on voit sur certaines foules. Bon, après, ce qui était un peu dommageable, c'était que le championnat finalement tournait à deux équipes, quoi. Donc c'était Mont-Blanc et puis les Français volants. Donc c'était les grosses affiches avec les volants, avec Saint-Gervais, pardon, bon, on remplissait presque la patinoire. Par contre, bon, quand on jouait contre des équipes un peu plus faibles, où on savait que le résultat allait être complètement de notre côté, c'est vrai que bon, c'était du 2500-3000 personnes, quoi.
Donc pour Bercy, Bercy se lançait à l'époque. Donc ils ont démarré avec les volants, donc ça remplissait une certaine partie de l'année. Et au fur et à mesure, bon, c'est une grande salle à Paris quand même, donc ils recevaient les concerts. Donc il y avait de moins en moins de soirs libres et le coût de la salle aussi était très onéreux, quoi. Donc je me rappelle plus, mais je crois que c'était autour de 200 000 francs à l'époque pour une soirée de match. Donc c'était très important et c'est pour ça qu'on avait un budget, bon, qui était important, parce que là il y avait une grosse aide qui était faite finalement de la mairie de Paris, quoi. On en revient à des modèles économiques. C'est compliqué d'avoir un modèle économique dans le hockey, ça l'a toujours été finalement. Oui, ça a toujours été. C'est vrai que bon, comme la plupart des sports, la façon que les sports sont structurés en France, on dépend beaucoup des collectivités locales, donc que ça soit les mairies, les départements, les régions. Donc c'est vrai que pour s'éloigner un peu de ce modèle économique, c'est compliqué. Il faut aller chercher du mécénat, du sponsoring. Bon, après, on prend une ville comme Poitiers par exemple, où il y a déjà un club de volley qui est super important, qui a un gros budget, le basket qui est en B, le rugby, il y a toujours le foot qui est là, donc c'est vrai qu'on arrive toujours en 6e, 7e sport au niveau de la ville, donc c'est pas évident, c'est sûr que bon, si on prend Renan Nedelec qui est notre président, qui d'ailleurs, désolé, a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons personnelles, se bat, c'est quotidien de toute façon de se battre pour aller chercher les moyens pour pouvoir justement arriver à structurer et à monter éventuellement aussi sportivement au niveau des championnats. Donc c'est vrai que c'est un boulot de tous les jours et c'est vraiment pas évident. Je leur laisse le boulot. Franck, il faut trouver des idées de faire différent en fait. Le hockey, c'est un sport différent, le hockey sur glace. En France, il faut arriver à amener les gens par d'autres biais, par le spectacle, etc. Parce qu'on sait que souvent, quand ils viennent voir un match, ils sont conquis, quoi. Il y a du spectacle, ouais. Il y a des buts, c'est un sport spectaculaire. Ah ça, c'est un sport spectaculaire, mais je pense qu'en plus, par rapport à... Ça va de plus en plus aller mieux du fait que notre équipe nationale a des résultats. Donc comme ça passe à la télé, on voit plus, il y a pas à dire, Francite qui, et puis qu'on en voit à la télé, bah, les gens ont envie de voir ça en vrai, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas photo entre un match à la télé et puis quand vous êtes dans les gradins, il y a un ressenti qui n'est pas du tout le même, quoi. Et donc c'est vrai que c'est un sport qui est spectaculaire, même s'ils l'ont un petit peu aseptisé par rapport à notre époque où il y a beaucoup moins de bagarres et tout, mais ça va vite, ça va beaucoup plus vite. Les mecs, ils patinent maintenant, puis c'est plus technique et tout. C'est plus joli quand même. Du coup, ça doit être plaisant d'entraîner cette équipe de Poitiers en Détroit qui peut peut-être, sur une bonne saison, aller se frotter aux belles équipes de la division. Toi, tu apportes aussi, au-delà de la compétence tactique, technique, etc., tes compétences en préparation physique et mentale. C'est important d'être dans la globalité quand on prépare une équipe. Oui, maintenant, moi, je me suis vraiment orienté sur le mental et je pense que la plénitude d'une équipe, c'est... Il faut le prendre chaque individu. Et je pense que maintenant, je me suis beaucoup penché pour les entraîneurs. Parce que je trouve qu'on n'est plus des bons communicants. C'est de plus en plus dur maintenant. Quel entraîneur ne peut pas dire de n'importe quelle discipline que les jeunes, c'est plus les mêmes qu'il y a 10, 15 ans. Les bras de levier pour la motivation, c'est plus du tout les mêmes. Donc, il faut faire de l'individuel, quoi. Et notamment, je trouve que les gardiens de but hockey sur glace sont très intéressants. Moi, je me penche énormément là-dessus. Parce que c'est vraiment un sport individuel et c'est des mentalités complètement à part. Et il faut leur parler, avoir un discours complètement différent quand on veut les motiver. Mais pour beaucoup de joueurs, s'ils se sentent bien, ils vont donner le rendement qu'on demande. Il faut donc s'adapter. C'est à nous, l'entraîneur, de s'adapter à chaque mode de communication du joueur. C'est fini le temps où le gars, il était là dans le vestiaire et tout le monde devait adhérer à son projet. C'est fini. C'est à nous de leur faire adhérer, mais par leur mode à eux. Propre de communication. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Ouais. C'est plus ce phénomène. Après, les tactiques, hein, on a tous les mêmes, hein, les plans de jeu et tout. Après, c'est du managerial, je dirais, humain qui est le plus important et c'est ce qui fait avancer. Quoi. Alors concrètement, dans une équipe comme Poitiers, ça veut dire que avec tel joueur, il faut être plus rassurant. Avec tel joueur, il a besoin d'être un peu piqué pour avancer, etc. C'est ce genre de. On imagine que c'est bien plus précis que ça au niveau de la mentale. Oui, oui. Faut que ça vienne d'eux. C'est le temps aussi qui fait que tu apprends à chaque joueur à connaître vraiment son mode de communication et d'interaction.
Ben, disons que moi, j'ai fait des formations pour ça, donc moi, je les profile déjà. Donc, je sais déjà comment ils vont réagir, quels sont les modes de communication. Mais c'est savoir que la solution, elle vient d'eux. Moi, je peux rien faire s'ils adhèrent pas à mon projet. Moi, je peux leur faire plein de séances. Si il faut la volonté, c'est ce que je leur dis. Si vous n'avez pas la volonté, moi, je peux rien faire. S'ils ont envie d'avancer, voilà. Et là, cette année, j'ai un groupe qui a envie d'avancer, qui est demandeur. Donc, ouais, ça peut... C'est intéressant. Ça t'aide aussi à définir les... On sait que il y a un capitaine et des assistants dans une équipe. Il faut... Est-ce que là aussi, tu travailles sur ces profils-là en te disant... Non, voilà, ça, c'est les joueurs qui décident. Le capitaine, il est élu par les joueurs. Ça fait partie de l'autonomie du groupe que tu penses que c'est le managériat qu'il faut faire aujourd'hui, c'est-à-dire donner les clés, mais pour que le groupe avance de lui-même. Je donne pas toutes les clés. Je donne certaines clés pour certains usages, mais je dirais pas c'est calculé parce que c'est le représentant des joueurs, c'est lui qui va parler, c'est normal qu'il soit élu par les joueurs. Après, sinon ça devient un petit peu la dictature que j'impose tout, et c'est pas mon mode de travail, quoi. Sauf c'est vrai que si ça se passe mal et que je vire le capitaine, c'est moi qui vais dire le deuxième. Alors John, on sait très vite quand on est dans une équipe, quand tu étais à Tours, au Français Volant, ailleurs, quand il se passe quelque chose au niveau du groupe, quand il se dégage une atmosphère positive qui amènera dans les moments difficiles peut-être à passer les difficultés. Ouais, tout à fait. On a connu ça à Tours avec Franck, la première saison où on a été champion de France. On avait un entraîneur tchèque, donc Monsieur Sprencel, qui finalement son message passait pas du tout au niveau du vestiaire. Bon, c'est vrai qu'il y avait une tendance de joueurs canadiens dans l'équipe, donc il y avait Lucier, Pelofi, des joueurs d'expérience en plus, qui n'adhéraient pas vraiment à son système de jeu, à sa façon de faire. Et donc on a eu un début de saison qui a été très difficile. Je crois que dans les 9 premiers matchs, on a eu 2 défaites ou 3 défaites. Donc il y a eu plusieurs réunions qui s'est passé entre joueurs, où il a été décidé finalement de l'évincer, de l'écarter du groupe. Et à partir de ce moment-là, on a senti qu'il y a eu une étincelle. Et je crois qu'on a fait le reste de la saison sans perdre un match. Donc c'est vrai que bon, en plus d'avoir évincé l'entraîneur, c'est vrai que ça a impliqué un peu tout le monde, parce que bon, tout le monde a fait partie de cette décision. Donc je crois que ça a amené une étincelle qui a fait que le groupe a été vachement soudé et très motivé pour montrer que la décision qu'on avait prise finalement était la bonne, quoi. Alors tu parlais de André Pelofi, grand joueur évidemment. Il y a eu aussi Paulin Bordelot qui était, on s'imagine pas bien maintenant, mais à l'époque c'était des joueurs qui seraient là, des joueurs de très bons joueurs de NHL, on peut dire en équivalent. Paulin, 8 saisons à Vancouver, Nordique de Québec avec son frère d'ailleurs, qui était dans la Ligue mondiale de hockey à l'époque, hein, c'était pas la Ligue nationale. Et donc après il a fait le pas en Ligue nationale lorsque il y a les clubs de la Ligue mondiale justement qui sont joints à la NHL. Grosse famille de hockeyeurs, hein, les Bordelots, donc les 3 frères, Paulin, Christian et Jean-Paul jouent en Ligue nationale. Il y a eu Paulin Junior qui a joué aussi pour le Canadien de Montréal, qui a été repêché pour le Canadien de Montréal qui a joué en France, qui a joué pour l'équipe de France, hein, comme son père, Paulin, et qui maintenant est entraîneur, sont tous les deux entraîneurs au Québec. Joueur très technique, Paulin, pour moi, c'était sûrement le joueur le plus technique qu'on a vu en France, même maintenant avec les... Bon, à voir, parce qu'apparemment, il y a un joueur de la NHL qui a signé à Bordeaux cette saison, donc à voir. Mais c'est pas le jeu technique, c'est pas sa qualité première. Non, je crois pas, d'après ce que j'ai compris, non. En tout cas, au niveau nombre de pénalités, c'est pas exactement la même. Non, mais Paulin, un très technique, joueur défensif, offensif, c'est vrai qu'un patin lancé pour quelqu'un qui devait faire, je sais pas, 1m72 ou 73 et à peine 60 kilos tout mouillé, qui avait un lancé détonnant. Joueur très technique. Bon, en comparaison avec Pélo, André Pelofi, qui lui est arrivé en France, justement la première saison où on a été à Tours, on a été champion, qui était une fusée. C'était un turbo.
André, c'était tout dans la vitesse. Donc c'est vrai que à la vitesse où il allait, il avait même pas besoin d'avoir de bras parce que demain, parce que c'est vrai que il laissait tout le monde derrière. Donc deux joueurs complètement différents, mais pour moi, Paulin quand même le joueur le technicien par excellence. Encore, si on parle de ces joueurs-là, quand on parle de toi aussi, il y a cette double culture franco-québécoise, franco-canadienne. Alors toi, tu es né en France, mais en fait, tu as vécu ton enfance au Québec et puis préadolescence. Pour après revenir en France, c'est une double culture qui t'habite forcément et qui t'habitera toujours. Oui, tout à fait. Moi, j'ai mes parents qui sont français, hein, donc ils sont de la région parisienne et puis du Mans. Toute ma famille est française, donc c'est mes parents qui ont immigré au Canada lorsque j'avais 18 mois. Donc il y a une partie de ma famille française qui est venue habiter au Canada. Donc c'est vrai que toute ma culture, toute ma jeunesse, je l'ai passée là-bas pour revenir à 18 ans à Tours pour jouer au hockey. À l'époque, il y avait moins de migration de la France vers le Québec. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est une destination assez à la mode. Ça se passait comment, en fait, pour les Français à l'époque? C'était une curiosité pour les Québécois de vous voir débarquer un peu? Oui, enfin, il y a eu quand même une grosse communauté française, hein, au Québec depuis toutes les années 60. Hein. Ça a commencé dans les années 60, ben, justement quand mes parents sont partis là-bas. Donc, on a une solide réputation quand même au Québec, hein, quand on parle de maudits français. Hein, donc, c'est vrai qu'on était... C'est une génération qui est arrivée au Québec et qui s'est sentie tout de suite à l'aise par rapport au système et la façon de vivre là-bas, parce que c'est vrai qu'en France on a quand même un système qui est assez complexe, hein, je crois que, sans parler d'évolution, je crois que au Québec c'était moins évolué à ce niveau-là. Donc on est arrivé là-bas un peu en terrain conquis, disons, hein, les Français qui arrivaient, surtout les Parisiens, je vais en venir aux Parisiens, mais c'est pour ça qu'on a hérité finalement de ce fameux maudit français, parce que on connaissait tout et on avait tout vu et on avait tout fait. Donc, c'est une réputation qui commence à disparaître quand même. Mais c'est vrai qu'au départ, on arrivait un peu en terrain conquis, quoi. Donc je peux en parler en conséquence parce que mon père était un peu comme ça. Donc, voilà. Alors Franck, on parle de communication interculturelle en fait là avec ça. C'est un des aspects qui est intéressant dans un vestiaire de hockey. Bah, à Poitiers, il n'y a pas beaucoup d'étrangers, mais il y a une attention particulière à avoir pour des joueurs qui découvrent la France en fait. Oui, il faut essayer de les intégrer, je dirais, au plus vite, mais en respectant comment c'est leur mode de vie, quoi. On veut pas tous les chambouler. Surtout que cette année, on a un Suédois, on a un Tchèque et un Slovaque, donc c'est quand même intéressant, mais la transition se fait bien. Non, pour l'instant, je dirais que tout va bien, mais on n'est qu'au début. Après, il faut perdre un petit peu pour voir les caractères. C'est dans la défaite qu'on voit comment ça se relève, quoi. Donc, on verra. Ce sont des opportunités qui se présentent, des joueurs comme ça qui viennent pour venir jouer en Détroit, ou est-ce qu'il y en a qui sont dans un profil de... Voilà, qui vont pas faire carrière dans le hockey professionnel, mais ils ont envie de découvrir la France, de venir dans une optique comme ça? Ou est-ce qu'il y a vraiment un projet sportif derrière important? Ça va dépendre. Il y en a qui viennent comme ça, peut-être pour visiter un peu la France, et puis il y en a qui ont envie de s'installer un petit peu plus. Chacun est différent, hein. C'est justement là qu'il faut appuyer pour savoir qu'est-ce qui est intéressant, quoi, pour lui, et lui faire sentir ce qui va être bien pour lui, quoi. Alors John, qu'est-ce qu'on peut espérer et souhaiter au club du Stade Poitevin pour le développement? Voilà, sur quoi ça va jouer finalement le fait que le club puisse peut-être envisager de monter en D2? C'est une bonne division pour s'installer la D2? C'est votre objectif un peu, quelque part? Oui, tout à fait. C'est vrai que Poitiers a connu pendant de longues années la D2. C'est un but en soi, hein. Je veux dire, je crois que c'est clairement annoncé par notre président. Et c'est vrai que je pense que Poitiers a sa place en D2. C'est vrai qu'il faut assurer quand même la formation, malgré qu'on se fasse quand même piquer pas mal de joueurs par les gros clubs. Oui, ça passe de toute façon par la formation. Il faut un noyau. On voit cette année, on a un noyau de joueurs de Poitiers qui est quand même relativement important. Donc, il faut ce noyau-là pour pouvoir construire éventuellement une équipe. De toute façon, maintenant, avec les règlements, il faut 10 Français, 11 Français avec un gardien de but. Donc, c'est vrai que il faut passer par là. Il faut continuer à vraiment mettre de l'importance sur la formation.
Est-ce que le modèle le plus intéressant pour un club comme Poitiers potentiellement, c'est de s'associer à un club de D1 ou de Magnus pour offrir des possibilités finalement aux jeunes joueurs de jouer au meilleur niveau possible pour eux. Donc finalement tout le monde serait gagnant quelque part. Les joueurs qui auraient un peu du mal à passer le cap de la D1 ou de la Magnus pourraient venir jouer en D2 ou en D3 ici. C'est le genre de modèle auquel il faut penser pour l'avenir. Moi je crois sincèrement on parlait tout à l'heure de manque de structure en France, manque de patinoire. Je pense que ça passe obligatoirement par là, des associations de clubs, des filiales en fait. Je crois que le système a été mis en place voilà 2 ans ou 3 ans déjà par la fédération. Les clubs ferment, ça doit passer par là. En attendant que justement on ait de plus en plus de patinoires. En espérant qu'il y en aura beaucoup plus dans le futur pour diminuer un peu les déplacements, etc. Parce que ça, c'est un des gros problèmes aussi du hockey mineur. Quand on commence à dire aux parents qu'il va falloir qu'ils aillent à Toulouse ou à Brest ou à Rennes, c'est vrai que c'est problématique. En plus, c'est très coûteux, donc pour que ça soit pour les clubs ou les parents, etc. Donc c'est vrai que maintenant, c'est un sport qui est devenu très onéreux. Donc c'est pas tout le monde qui peut, c'est pas accessible à tout le monde. De toute façon, on voit que le problème est universel parce que même au Canada maintenant, ça devient très onéreux de jouer. Donc le coût d'une patinoire, en fait, de la location d'une heure de glace, c'est cher. Donc l'équipement est aussi onéreux et puis bah, si on rajoute les déplacements à tout ça, c'est vrai que ça fait une coquette somme à la fin de la saison. Donc oui, je pense que ça passe par le fait que d'associations justement de grands clubs qui pourront justement aider les plus petits clubs par rapport à leur structure de transport, enfin, etc. Donc diminution d'échelle par rapport à certains coûts. Une belle voie d'avenir. Bah, je voulais vous remercier tous les deux d'avoir participé à cette émission. On était contents ici de venir à Poitiers, de ne pas venir que dans les plus grands clubs du hockey français. C'est important aussi de voir la réalité qui se cache derrière les clubs plus modestes. Et on y trouve des pépites, puisque vous avez tous les deux des parcours fantastiques. Et on aurait pu en parler des heures, des grands joueurs avec lesquels vous avez joué, des grandes équipes, etc. Donc merci à tous les deux en tout cas. Et puis je vais souhaiter à tous les gens qui nous suivent de prendre encore beaucoup de plaisir en regardant nos vidéos. Encouragez-nous en tout cas, voilà, on est très contents de vous faire partager tout ce contenu-là. Donc merci à tous et à très bientôt. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner à la chaîne. Et activez la cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine.